Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'ai pas RP pendant 5 jours, je suis une fraude tout simplement. Pourquoi? Parce que problème perso et ouais, c'est fun. Hello Mitsun, elle était rapide toi putain. UV de l'eau, c'est important. Je reçois une notif et comme je m'ennuie un peu. Ah ouais, nickel. Tu es que quand je t'ennuie. Hein. Je rigole. Je rigole. Donc. Faut que je sorte. Pour la radio. Oui, c'est news. Je sais pas si c'est toujours d'actualité là. Le subitel, ça quel plaisir, ouais. C'est ouf hein. Oh putain, il y avait une prise. Enfin, il y avait un braquage de bijoutier. Oh, j'étais pas là. Et personne ne s'inquiète pour moi, quel enfer. Artiste. Oui, c'est bon, je sais parler. Et bonsoir. Personne radio, quel enfer. Je vais pas monter sur la table. Oh, il pleut. Quand j'ai carrément envoyé un message sur la notre messagerie, j'en ai rien à foutre. Message coucou, je suis vivant, ouais, peut-être. J'ai pas dormi, j'ai dormi. Non, il y a quelqu'un. Ouf. Charbon. Et il faut toujours. Ça marche. J'imagine que c'est le numéro de Charlie. J'ai pas son numéro, quel enfer. Ensuite, donc la radio G6, que je la retrouve. Quel enfer.
46-64. J'ai mis au moins la bonne radio. 83-24. Eh, Shinya, ça va? Et toi, bah écoute, ça va. Ils ont changé les locaux, EMS. J'aime pas du tout comment ça. Ah ouais? Putain. Ouais, c'est vrai que j'ai vu qu'ils ont changé les. Les mappings de beaucoup de trucs, mais bon. Je sais pas quoi faire, hein, c'est terrible. Je accolé ou Weasel News là, ouais, j'ai combien sur mon compte? Non, sur le Charcos. 3890. Putain, c'est dingue, je crois bientôt m'acheter une Panto. Putain, mais c'est pour ça que le journal y flottait, c'est parce qu'il y a une table normalement. Ok. Plus sur MC, je pourrais pas dire. Non, le SMS n'a pas changé normalement. Ça fait 5 jours que je suis pas là. Ouh. Ouais, par contre, je me fais chier donc. Y a quelqu'un sur la radio? Ok, nickel. Qu'a changé sur. Changement, mais j'ai vu pas grand chose. Ouais. Bah ça arrive, ça arrive. Pour le moment, surtout que maintenant, le plus gros changement, en fait, c'est qu'il y a des crocs. Rien n'a changé. Ok. Bah, je suis destiné à me faire chier, c'est terrible, non? C'est le seul changement, c'est d'ajouter des crocs. Non, mais je te. Non, mais ça me fume. Dégagement, je suis coincé là, je peux rien faire. Y a pas de G6, on peut aller se faire foutre, hein, c'est. Pas terrible comme RP. J'ai combien sur moi? Ouais, bon. Il y a eu de nouveaux vêtements de manière générale, ouais. De ce que j'ai vu, Petrova. Quoi? Quoi? Attends, tu m'apprends un truc là.
gros, je m'emmerde à la limite aller à la banque, se faire de nouvelles tenues, regarder dans le concess. Comment dire, j'ai juste envie de faire une. Franchement, il viendra avec la prochaine version du serveur, je spoil pas, mais je fais partie des testeurs maintenant donc j'ai vu des petits trucs. Alors, mes tutos à claquer, putain. Une voiture là-bas que j'ai envie d'aller voler. Elle a personne la voiture, on est d'accord. Peut-être aussi j'ai un petit MP furtif. Quoi comme voiture? C'est une comète, ouais. J'ose pas la toucher parce qu'il y a le quartier de la manoire qui est pas loin. J'ai peur que ce soit à eux, genre. Ouais, on va éviter. Muet comme une mouette, mais what? Putain, sa mère, c'est une. C'est une boulette, non? Boulette. Bullette. Ouais, oh putain, je suis trop fort. Hein. Courir, tu m'étonnes. Alors, on va essayer de se faire une nouvelle tenue. Ensemble, oh, c'est mignon. J'ai trouvé un truc avec une capuche, genre ouais, voilà un truc comme as, mais on peut mettre une capuche. Des PTSD, hein, cette. Du coup, t'as raté la nouvelle carrière d'Anna? Non, bah oui, du coup, si j'ai raté la nouvelle carrière, c'est quoi? Je sais pas pourquoi je m'attends vraiment au pire. Je sais pas pourquoi. Je flippe ma table. Le Groove. Quoi, sérieux? Et le Groove Entertainment? Mais putain, trop bien.
Ouf, sinon, s'il te plaît, ça partait en puits. Comme ça pour l'instant longtemps du coup. Ah sorry. Chialice. C'est moi qui suis dégoûté de rater 8 ans du destin. Incroyable. Sans déconner, je sais pas pourquoi j'aime autant ce pantalon, genre. Je. Voilà. Parce qu'il y a très peu de chaussures qui vont avec. C'est un peu chiant. Enfin, cosplay, mais je mets un stade, mais tu sais que c'est. Pardon, je me coupe moi-même, je me dis pardon, mais. Crocs. C'est incroyable. C'est beau. Mais c'est immonde, c'est quoi ce truc? Putain, mais ces crocs, c'est incroyable. C'est sa veste, mais. Des kilomètres de. Et tu sais qu'à la base, j'étais vraiment inspiré, genre de la série Yakuza. Genre, j'ai vu la série Yakuza et j'étais en mode. On va faire un perso Yakuza. Au final. En conclusion, je sais toujours pas quoi lui mettre. Ça, là. Ouais, faut encore que j'y joue. J'ai acheté le jeu, mais j'ai toujours pas joué. La fraude! La fraude! Ensuite, Olivier qui te laissera pas indemne. Mais mon frère, il n'y a pas de spam, de toute façon. Donc, oui, j'ai vu tellement de passages en fait. C'était. Ouais, voilà, c'est celle-là que j'aime bien.
Yes. Pas comme si Anna veut chanter que des chansons qui parlent de cul à l'aide. Oh putain. Non mais Anna, de toute façon tu lui parles, c'est bon, ça parle déjà de cul quoi. Enfin, il y a juste à lui parler 2 secondes pour comprendre que c'est pas quelqu'un de spécialement innocent. Je me demande si on va pas mettre des gants sur. Anna est vierge et innocente. Oui. Et moi j'étais mort de rire. Sur Williams, Allen. Est-ce que, question, je peux enlever la capuche? Je ne peux pas, je me suis fait enculer. Je vais pas faire ça. Ah putain, il y a cette petite queue de cheval qui dépasse là, c'est beau. Ah, ok, mais vous pleurez. Tellement on a toujours pour dire qu'elle peut pendant l'arrestation. J'ai pas de. Ah, what the fuck? Non! Ah oui, putain, mais tu le reconnais pas comme ça, c'est terrible. Oh. Remets. Ah, rattache-toi les cheveux, je t'en supplie. Merci. Putain, mais tu le reconnais vraiment pas comme ça me fume. Petit cœur d'artichaut, mais oui, non, mais Rico. C'est vrai qu'il va faire une bige là. J'allais retirer de l'argent. Non, attends, c'est où là? Je sais pas m'orienter. Ah mais non, j'étais sur le bon chemin, c'est bon. Bon, mais c'est qui ça? Retirer 1000 et je dois aller me chercher un sac et un masque. Oh, toi, ta moto me plaît.
Le feu rouge. Bah, tu es cringe. Donne-moi ta bagnole, s'il te plaît. Hop. À moi. C'est une quoi? Je sais pas. Ça pousse bien. Attends, vu que c'est. Ouais. On va faire ça RP. Mon perso, c'est pas où c'est le. Enfin, c'est pas trop s'orienter. Du coup, on va mettre un petit point. Ouais, Rico avait un TDI. Je me rends pas ce que c'est comme voiture. C'est une Buffalo aussi, je suis une fraude. Je suis pas capté parce que je reconnais pas le perso. Ouais, c'était assez rare de voir Alex, je crois. En tout cas, moi je l'ai pas vu souvent non plus. Oh, j'ai coupé la route, hein, mec, mais sale. Non, je passe le down, rien à foutre. Je vais mettre la voiture là, comme ça je peux repartir vite s'il faut. Ou alors je vais me faire carotte. Oh, le truc bien badin. L'enfer. De donner de faire écoute dans ce petit BD. Ah nice. Oh putain, celui-là il est bas dans le ouf comme. Je vais le prendre, hop.
Et Antoine parle à même occasion. Ah, ok. Attends, mais t'as fini, Anton? C'est son grand-père. Oui, bah oui, mais je sais pas si tu l'as fini. Un peu de... Ok, j'ai peur. Du perso je rigole, ok. C'est vous madame? Ah oh, ouais putain ça. Non, on va pas lui donner de chapeau quand même dans ce tour, parce que sinon ça sera terrible. Mais du coup je sais pas si c'est enregistré avec le masque, je me flinguais si ça pas enregistré avec le masque. Ok si c'est bon. Kidrico, ah oui putain. Yes. Excuse-moi, j'étais un peu concentré sur ce que je faisais, je regardais pas forcément le chat. J'ai du pain sur la planche. Ah oui. Le fameux Chubest qui est sorti cette phrase tout évidemment la première fois. De la vie ever. Pourquoi ses muscles ont des trucs chauds. Ok. Ma voiture, qui n'est pas ma voiture, est toujours là. Est-ce que je peux vraiment pas voir c'est quoi comme type de buffalo? Buffalo super, d'aucune buffalo S, mais. Le type de buffalo, parce que je sais pas combien de types de buffalo, mais il y en a beaucoup trop. Ouais. Non, je vais pas tourner là, je tourne là-bas.
Si je croise la police comme ça, putain, je suis mais triplement, triplement mort. Putain, j'aime bien cette comète. Bonne grosse merdasse. Ah mais gros c'est terrible hein. J'ai un gun sur moi, j'ai une voiture volée, y a rien qui va. Hein. Si je me fais choper en excès de vitesse, c'est qu'on fuit, c'est la bonne merde. C'est gang gang. Le mafieux en puissance, ah mais vraiment. Ah j'ai pas perdu de temps avec avec Masaru. Putain mais qu'est-ce qu'elle est bien à conduire cette voiture, c'est génial. J'aime conduire cette voiture. Buffalo S, elle est belle, enfin elle est bien. Yori Watanabe, ça aurait fait une chouette rêve. Vas-y, non, j'ai pas la rêve. Je veux une e-sport, tout le monde veut une e-sport. Ouais, ça c'est. C'est comme ça. Spider-Man sniff, ah ouais, non, mais. Aladdin. Moi je sais pas conduire, ça serait. J'étais sûr, moi je serais juste un peu. Où aller en concesse? En concesse, oh concesse! Pour voir qu'est-ce qu'il y a de bien comme voiture. Oh pardon, je voulais pas faire ça, monsieur. J'ai vraiment écrasé la jambe à quelqu'un, j'ai fait oupsie. Pardon. Putain. Mes réflexes. Qui m'appelle? Arrêtez de m'appeler. Attends, je me suis vraiment bloqué. Oui. Ah, allô? Oui, allô? Oui. C'était pour savoir où t'en étais, ce que tu faisais. Là, pour l'instant, bah, je viens d'arriver au concesse. Je pensais regarder un peu les voitures. Peux-tu y aller à pied? Oui. D'accord. Bah écoute, pas d'autre choix. Oui, bah c'est vrai que de toute façon j'aurais pas pu te conduire, mais oui. Bah écoute, moi je vais rentrer chez moi. Je pense que je vais, en fonction de prendre ma soirée. Ok, ok. Mais ouais, du coup je. Bon courage et fais attention. Merci. À toi. J'imagine que t'as quand même ton GPB. Oui, oui, je l'ai toujours au cas où. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le mettre moi, mais bref. Enfin, je suis chez moi. Ok. Tu fais attention à toi quand même. Hein. Ouais.
Déprimant cette histoire. Sa meuf vient de prendre l'avion pour partir pendant longtemps, mais oui. Bon, bah écoute, je te laisse. Ouais, à plus. À plus. T'as personne du Weasel qui veut RP, gros, ça dégoûte. Oh, tu crois que c'était pas ça? Ouais, non, mais t'y étais à pied, bah ouais, je suis allé à pied. On va baver sur quelle voiture? C'était une Buffalo tout court que j'avais eu. Il me semble bien que c'était une Buffalo. Je regarde si c'est la même écriture. Ouais, ça doit être une Buffalo. 39 100 une Buffalo comme ça. Attends, mais c'est. Ah non, bah c'était celle-là, c'était juste une Buffalo normale. Ok, my bad. 30 400. Et les comètes que j'aime bien aussi, sauf que ça coûte une blinde. 88 400. Comète SR. Pourquoi c'est aussi cher? On sait pas. Comète S2. 130 000. Je les aime bien. Et plus de comète Safari. On se demande qui c'est qui les a pris. TX. Il est sorti sur Radio Weasel. Et bonsoir. Bonsoir, Call Phantom. Et bonsoir. Bonsoir, Monsieur Watanabe. Comment ça va? Ça va, ça va. Pour répondre à votre question, oui, le Weasel est toujours avec le G6. Ok, oui, bah de toute façon, j'avais discuté avec avec Charlie, donc ça. Il n'y a rien de prévu aujourd'hui? Bah techniquement ce soir il y a le blocus, donc tout va être fermé pour montrer au gangster qu'on n'est pas content. Puis après moi je dois aller prendre des photos pour l'événement de Pâques, donc on peut se retrouver hein. Ça marche, bah moi je suis au show concessionnaire, je regarde un peu les voitures pour passer le temps. Oh putain c'est pas con, je dois regarder un truc. Ah c'est une très bonne idée. J'ai des idées merveilleuses moi. Cavalcade, j'aimerais bien Cavalcade aussi. 16 800. C'est un gros truc, j'aime bien les gros trucs. Dubstar, DJ. Est-ce que ça pousse un peu plus hein? Je connais pas les perfs. Bowler. Mais c'est obligé que je me prenne un SUV. Oh putain, c'est beau. Ah, c'est beau, ça coûte 16 700. Je doute un peu des perfs, mais. Et les Grandeur aussi que j'aime bien. Ouais. Panto, c'est 4 800. Je pense que c'était 4 000. Je vais pas prendre de panto avec ma salle. Je viens de voir
9, monsieur Watanabe, vous n'avez pas fait où? De quoi? Ah, parce que c'est jamais pièce que j'ai. Ah, bonsoir. Oui, ça va. Bonsoir, radio. Ça va et vous? Non, ça va pas, y'a pas la voiture que je veux au concès. Ah mince. Mais y'a plus rien. Vous regardez comme y'a vraiment plus rien. Comparé à une époque. C'est vide. C'est vide, là, y a... Peut-être y'a des blocus. Il est aussi, au fraude, genre, c'est triste. Regardez au fraude, ça n'a aucun sens. Y'a un blocus des importations. Oh, je sais ce qu'on devrait faire, un putain d'article de pétition, de signer de tout le monde, remettez des voitures dans le concès. On va faire ça toutes les semaines, sinon blocus. Sinon blocus. Voilà, on y va. On va se spécialiser là-dedans. Non, vous cherchez quelque chose, monsieur Watanabe? Je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a comme voiture, surtout. Ce qui me tente le plus, là, c'est un Ranger. Ah, je comprends. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah. Bonsoir. Ah ouais, bonsoir, vous m'avez pas entendu. Anya. Ah non, on n'avait pas entendu. Ah, c'est pas... C'est... Le d'espace-temps qui a dû prendre votre voix. Ça arrive. Ah ouais. Vous avez pas une club à vendre? Sur voiture, une club? Ah bah non, moi j'ai qu'une voiture, elle est sur le parking, là. Oh, elle est mignonne, c'est quoi? C'est une Warrunner. Ah ouais. Stylé, j'aime bien. Très joli. C'est stylé parce qu'elle est petite, elle est rapide, je trouve, et elle a 4 places. Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal. Ah ouais. Vous venez chercher une voiture, vous aussi? On m'a fait tester une moto et tout, mais je crois que ça coûte cher un peu. Ah, ça dépend, les motos, c'est plutôt abordable. Ouais, ça dépend, mais là c'est quoi? C'est un Diabolus Custom. Si ça peut être cher, mais en vrai ça va encore, je m'attendais à pire. Les motos, il y a tellement envie parce que personne n'en achète. Vous savez, ça fait que 2 semaines, moi, que je suis arrivé en ville, c'est un peu cher pour moi. Ah, je comprends. C'est vrai qu'elle est stylée. Vous avez vite monté, j'en suis sûr. Quel système de voiture présente qu'un certain temps? J'ai vu le nombre. Pas qu'un certain temps, c'est juste que. Vu que les gens l'achètent, c'est un stock limité. Et oui. Ah, même sur le car, il y en a beaucoup, hein. 37. Les gens, ils aiment pas les motos ici? Bah, apparemment. J'espère que ça me choque pas qu'il y en ait beaucoup parce que ça coûte si cher pour une classe aisée, quoi. Par contre, les voitures du peuple, il y en a plus. Il n'y a plus de club là. Ouais, le système il passe à mairie. On met des clubs. Non, on met des voitures. Il n'y a plus rien. Oh, 135 000 pour une Sugoi. Ah oui, c'est un peu cher. Ah ouais, ça pique un peu. Ça pique un peu, oui. On va prendre une Punto, c'est que 4 000. Je conduis pas ça. Pourquoi? J'ai une réputation. Oh, ah, moi j'en ai conduit 2 jours, je crois. Oh, c'est pas si mauvais en conduite, hein. Je tiens quand même à ma personne. C'est une voiture prolétaire, donc les gens ils la jugent, c'est honteux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est honteux. Elle n'est jugée qu'à son apparence. Exactement. À sport, tel guetteresse, c'est arrivé dans sport. Vous avez jamais appris que l'habit ne fait pas le moulin? Donc du genre Ah, si. Ah bah je peux vous dire ça c'est pas un moule du tout. Attendez, je reviens. On peut aller dans moi ce qui me fait le plus envie pour le moment c'est Watcher Team Grand Jar. Tu dans maman commune du G6, y'a quelqu'un? Ah ouais, mais pour vouloir un truc comme ça, vous avez quelque chose à compenser? Quoi? De quoi, c'est quoi que vous voulez acheter? J'ai dit c'est surtout les Grand Jar qui me font envie. Ah! Bon, après, un grand genre, pour le coup, c'est pratique. On peut transporter genre 6 personnes avec. Dans quelle catégorie? C'est dans les SUV. Vous suivez? C'est gros, ça. Hein. C'est vrai que c'est assez massif. Pour le côté et tout. Bon, c'est un peu dangereux, mais... Oh oui, bah je... Est-ce qu'il avait... Léonard? Bah voilà, ça a encore explosé. Oui, ça a encore explosé. Oui, c'est ça. C'est véhicule, tu peux te mettre sur le côté et tout. Ouais, ça a encore explosé, ouais. Mais c'est quoi qui explose? Mais je sais pas, yo. Dans les alentours, je vois pas trop ce qui explose. Le gouvernement, peut-être ils font genre des tests ou quoi, nucléaires, ça serait délétère. Yo. Bah, je pense pas, Nia. À quoi des tests nucléaires en pleine ville? Oh, mais le V, c'est pas eux qui gèrent la centrale nucléaire, y'en a même pas envie. Tu sors des titres ou des Mais qui c'est qui gère ça alors? Je sais pas, des lobbies ou des entreprises. Les cops? Ah, peut-être, les lobbies comme le Doc Lobby. Oh, délétère. Ah, j'aime bien les bowlers aussi, ils sont bien.
Ah, c'est stylé, ouais. Demoiselle, vous venez? Allez! Allez, on y va! Eh bien, j'ai aussi, ou? Oui, on peut partir. Ah, allez. Vous travaillez au Weasel? Ah, Weasel? Oui, on travaille au Weasel. Oui. Excusez-moi, monsieur Watanabe, j'avoue, je suis pas rassuré de voir autant de monde. J'avoue que quand la deuxième voiture est arrivée, j'ai genre bien regardé c'était qui. J'étais en mode. Oui. On n'a pas de visite avec nous. Préfère faire gaffe, quoi. Vous avez pas de véhicule? Vous êtes venu à pied? Oui. Oh, vous devez faire une traite, non? Oh, ça va, ça fait les muscles. Ah c'est vrai, c'est bon pour la santé. Ah non, c'est vrai, c'est bon le sport. Bon, bah écoute, si on attend que le G6 est là, on peut faire comme hier, non? Bah ouais, carrément, du coup, en fait, tu voulais prendre des photos de tous les trucs, c'est ça? Bah parce qu'en fait, c'est vrai qu'hier, j'ai regardé ce qu'ils ont fait l'année dernière et ils ont pris en photo les endroits précis. Envoyés à l'ASL. Ouais. Bah vas-y, on peut faire ça. Billy Joe, à tes souhaits. Joe, je viens de lire votre article et je tiens à tous vous féliciter pour le courage que vous avez eu de faire le premier pas. Ok. Ah, c'est gentil. Peut-être que le mec, pendant que je suis en train de m'étouffer à cause des carrières, peut-être un topo à monsieur Watanabe qui est pas là tout à jour. Ouais, alors attendez, juste j'envoie un message, j'ai du mal à me concentrer. Mais après, je fais le topo du siècle. Ah oui, ok. Non, je suis désolé, j'ai vraiment eu du mal ces derniers jours, je sais pas pourquoi. C'est ce qu'on dit, et pas, le frustre. Et puis nous, justement, on est là pour vous faire. À tes souhaits. Toute la soirée, je vous préviens tout de suite. Allez, mais on va dire à tes souhaits beaucoup. Oh bah oui, mais vous avez vous déboîté la mâchoire comme moi. Tu penses? Oui, je pense. Ah non. Finir au SMS. Tes souhaits. Voilà. Mes ennemis, c'est le capitaliste Patsarka, Café et les Acariens. Dans ces ordres-là. Faut qu'on fasse ces choses comme toutes ces choses. Merci. J'arrive pas. Merci. Yo, merci. Merci, c'est gentil à vous, de vous, votre soutien et l'initiative qu'elle a prise. À vous d'avoir pris cette initiative. Ah, on peut pas l'approuver. Putain, si! Ah, le Beniz qui vient de. Oh putain! Ah, c'est des boss, je les aime. Donc, j'ai pas approuvé quelque chose. Let's go! Ah, je veux quoi, interdit? On va faire quelque chose. On est marre. Normal. Ah, peut-être que vous conduisez parce que j'avoue que conduire en toute une chose, c'est très mauvaise idée. Y'a pas de soucis. Voilà, j'ai envoyé mon message donc. Topo. Bon bah malheureusement, yo, la situation MKP s'est pas arrangée. Pire. C'est même devenu pire. Parce que, genre 3-4 jours, on était au Weasel et d'un coup ça commence à rafaler, genre dans tous les sens. Concrètement, on a dû se cacher sous une table dans la salle du JT parce qu'on se faisait tirer dessus sur le Weasel dans tous les sens. Et il y avait les cops et tout qui traînaient dans le coin du coup, qui ont réussi entre guillemets à nous protéger, mais les menaces ne sont pas arrêtées pour autant. Ah. Du coup, on est toujours un peu au même stade actuellement, toujours sous protection du G6. Alors a priori, je ne sais pas ce qu'il en est exactement parce qu'on n'a pas eu le détail, mais au niveau de la mairie, ils ont fait passer des sortes de lois de jurisprudence pour avoir plus de possibilités d'attaquer KP, vu qu'actuellement... c'est beau tout ça, c'est beau tout ça. C'est beau, oui. Vu qu'actuellement, je sais plus ce que je disais, mais en gros, ils ont fait passer des lois pour si jamais ça recommence comme il y a quelques jours. Donc, on espère que ça va arranger les choses. Il faut savoir qu'au niveau du LSPD aussi, ils avaient placé un ultimatum de 2 jours qui a pris fin hier. Donc, je sais pas ce qu'ils ont prévu maintenant. Ce matin m'a capé en mode si vous arrêtez pas vos conneries ça va chier. Mais yo, du coup on sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Je dis merci que si j'ai vu ils ont besoin de flash pour dire qu'ils ne voient pas on leur fait gratis. Hein. Ouais de ouf. Oui. Donc voilà. Mais voilà du coup toujours un peu au même stade malheureusement. Mais on continue d'être fort parce qu'en plus vous avez vu il y a tout ce mouvement qui est en train de naître de soutien de toute la ville. Ah oui c'est beau ça. Hein. Ce qui fait plaisir de ouf, hein. Ouais, on va j'avoue pas se que c'est vraiment plaisir. Ah ouais, de ouf, là, ça me donne le sourire, comme on dit, malgré les temps difficiles. Et du coup, mais du coup, par contre, on continue quand même le travail Weasel News, et c'est ce qu'on est en train de faire là, parce que
L'an Mais on n'a pas dernier. au cimetière pour prévention d'une fin de la Oui, catastrophe. c'est pas pour la crise K, ouais, non, 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 non. C'est parce que l'an dernier, au moment de Pâques, il y avait eu un truc organisé par le Weasel, une chasse aux œufs géante dans toute la ville, avec des énigmes et tout ça. Et en gros, hier, on a commencé à faire une seconde édition, préparer une seconde édition. On a trouvé des petits endroits un peu dans la ville avec liés à des énigmes pour y cacher des œufs, et on fera une chasse au trésor au niveau du Weasel au moment de Pâques, je sais plus c'est quand. Début avril, je crois, fin mars. Et Ça, voilà. bah non, c'était plus. C'était pas longtemps, ça, hein, début avril. Je crois que c'est dans un moment quand même, hein. C'est genre fin mars, début avril cette année. Bon, c'est pas grave, au pire des cas, j'ai Oui, dû. moi ça sera prêt. Et puis au moins, ça nous fait un truc Et oui, sympathique. ça fait un truc ça. Oui. Donc hier, Et on du a coup, ouais, trouvé des lieux vas-y. avec les énigmes et tout, sauf que bah, sauf qu'on va envoyer à la DSL tout ça. Et je me suis dit, en regardant les archives de l'année dernière, bah, ça serait mieux qu'on envoie une photo de précis de ce qu'on veut. Donc là, on est au premier. Enfin, pas vraiment le premier, mais un des endroits. Yes. Et je vous dis. C'est où qui est marqué? Sur la montagne des âmes perdues. Vous connaissez? Vous savez qu'au cimetière? Y a des âmes perdues. Oui, et du coup, je me dis forcément, c'est là, enfin, sur les. Enfin, sur la petite revue là en haut. Là. Enfin, le. Ouais, c'est ça. C'est un peu le pour les œufs edgy, quoi. Ouais, c'est C'est ça. sûr, c'est sûr. Ah oui, pour tous les goûts. Bah, Hein. parce qu'on a une phase qu'on peut pas faire la Pâques, hein. Bah oui, hein. Tout le monde peut manger des chocolats. Eh oui, et même si c'est pas une phase, d'ailleurs. Il est très beau le cimetière de Santos. Hein. Ouais, hein, de ouf. Jamais visité, donc. Regardez, déjà, ils ont suffisamment la place pour foutre un lac, c'est quand même fou. Il est paradoxalement plus petit que le golf. Il y a encore de la Attendez, dis place, hein. bonjour à mes amis. Salut Eriksen. Sebi, ça fait tellement longtemps. Salut Docteur Blue. Yo. Y a vraiment du monde. Mais oui. C'est Mais délétère du tout ça. coup, c'est vrai que c'est joli. Bien que personne n'est capable de me dire qui c'est qui est enterré au milieu du lac. Bah alors moi. Moi, on m'avait dit que c'était un ancien capitaine. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas son nom, mais moi on m'a dit que c'était ça aussi. Il y a une dame qui fait une randonnée là-bas. Elle Ah cherche les bon, œufs. pourquoi pas? Cherchez. Ah, ça a leak la phrase. Je suis jamais Randonnée. monté tout en haut en vrai. Oh bon? Je sais même pas à quoi ça ressemble. Su. J'en ai Su. pas le souvenir. Hein. Moi, je suis déjà monté plein de fois. C'est très beau. Hein. C'est un très beau point de vue de la ville. Je voulais un endroit de calme pour méditer ou que sais-je. Très joli. C'est parfait. Waouh! Je pensais à votre mortalité. En plus, là, il y a le petit La coucher de vue sur la soleil. plage là, elle est incroyable avec les palmiers là. Ah, Mais là, avec on le coucher de soleil là, c'est pas mal. va voir Oh, monsieur. pourquoi j'aime autant les palmiers? Vous aimez bien les palmiers? Non. Oh, ça va. Pas que j'aime J'en ai pas, pas que bien. déteste. Pas. J'ai un avis neutre. C'est plus haut que je pensais. De ouf. Faire toute une randonnée pour chercher un œuf. Ah oui, puis c'est sympa, ça Ah donne. oui, bah oui. Je vais monter, je vais prendre mon œuf au chocolat, je suis content. Oui, j'aurai une belle vue sur le monde. Bon putain. Et voilà, on arrive tout là-haut. Et là, on a un joli point de vue. Ah, Trop c'est bien. vrai que c'est pas mal du tout. Ah, je sais pas, moi j'aime bien. Et je... Même tellement j'aime bien que je vais me moucher. In memory of Chris Edward, je connais pas. On n'est pas du tout, tiens. Ok. Tu veux que je prenne la photo? Quelque chose que je suis en capacité de faire. Je fais ça. Bah écoutez, pendant que je vais faire. Oh, ça découvre un truc. Comment ça s'appelle? Pendant que je vais faire une flash pour les taxis, ce qu'on fait, c'est comme l'année dernière. Il y a un journaliste qui s'assoit à la place de l'œuf et le journaliste qui prend photo. Ok? Ok, Moi bah je du fais coup une faut flash voir là. l'œuf, on va le Flash. mettre sur un banc, hein. Genre Ok, ici. ok. Là, avant le milieu. Ouais, bah ouais, vous voulez prendre la photo ou je la prends? Moi j'ai pas des lunettes super belles donc. Ah bah vas-y, asseyez-vous, genre vous êtes un œuf. C'est comme quand on fait un film, dites-vous dans votre tête, je suis l'œuf. Ok? Ok, Ça va. ok. N'inquiétez pas, je suis un pro. Vous êtes le plus bel œuf que j'ai vu
de ma vie. Ah merci, merci, je fais de mon mieux. Vous faites très bien. Nickel. Merci. Attendez, je regarde comme là les photos si je les ai bien prises. Putain, j'ai cru que t'es pop. Yes, parfait. Nickel. Nickel, ben on perd des ça. On a fait les plus belles photos d'œufs possibles. Mais rebouché. Parce qu'il y a des cinéas. C'est normal, c'est Made in Japan. Incroyable. Ah mais je suis content de savoir que je suis un bel œuf. Oh, bah, félicitations. Ah oui, vous étiez l'œuf. Avec un grand E. Un joli œuf au chocolat. Mm. Ça commence avec un E, œuf. Non, mais il y a un E dedans. Ah. Moi, je trouve que c'est surfait de dire la lettre qui commence pour dire un grand. Donc, je dis la deuxième. Pourquoi pas? Pas compris. Moi non plus. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait, ouais. Dog, on l'a... Bien, monsieur Watanabe, sans qu'on vous regarde. Donnez. Mmh. Je vous dis. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con ça, tiens. Oh, en vrai, ça peut être rigolo. Le brasier des quartiers sud. Ça vous dit quelque chose? Après, vous venez d'habiter, arriver en ville, donc c'est peut-être plus ouais, dur pour vrai, vous. Ça fait... c'est vrai. Le brasier des quartiers sud. Dans des cas, vous pouvez peut-être déjà réfléchir à voix haute ce qui vous semble logique où ça serait. Moi, je me dirais là où il y a un feu. Mmh. Un feu de camp peut-être. Je sais pas si ça dans les quartiers sud. Déjà, les quartiers sud. Vous avez une bonne logique. J'aime bien déjà en vrai. Sachant que vous êtes pas de la ville depuis longtemps, j'aime bien le cheminement. Et pas la cheminée, hein, vu qu'on parle de feu. Bah si je réfléchis. Il y aurait pas une fonderie ou quelque chose comme ça? Non, mais c'est un bon raisonnement. Ouais. Mais c'est pareil, parce que comme ça nous demande si les gens ils peuvent aussi se faire avoir, ce qui est un peu intéressant. Parce qu'il y a une fonderie bah en ville, je sais pas où aller. Aller à le sud-est. Ah oui, on est allé une fois. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant aussi que les gens se trompent. Oh, première chasse aux yeux, on s'était trompés nous aussi. Bah oui. En plus, c'était tout du club, on est allé dans des clubs de danse, oui, alors c'était le club de golf. On est allé en boîte de nuit, ouais. Mais il y avait pas des œufs brouillés là-bas. Non. Pour d'humour. Canet. Ah, de ouf. Je vous laisse conduire parce que avec ouais, t'inquiète. Ma crise allergique là, je pense que conduire est une très mauvaise idée. Du coup, on va au brasier du quartier sud alors. Bah ouais, on fait un par un. Ah bah let's go. Entreprise. Oh, entreprise. Y'a qu'un vol à faire vu que je l'ai déjà fait, monsieur Watanabe, comme ça vous entraîne à faire des. Oui, pourquoi pas. N'oubliez pas de mettre solidarité citoyenne à la fin, l'hashtag. Ok, ok, j'annonce juste le RGB ferme ses portes ce soir, hashtag en soutien. Oui, après vous le formulez comme vous le souhaitez, tant que c'est pour préciser que c'est par rapport à la solidarité citoyenne et tutti quanti. Ok, ok. Je tweetais aussi parce que c'est important de faire le hashtag solidarité citoyenne. Ouais. J'aime cette ville. On est que les deux, toi. Pas grave. Oui, sur ouais, mais là, les rien que les flashs et tout... C'est par là. Oh, il y a quelqu'un qui a tweeté un toutou. Eh, j'ai vu. Il est si beau. Les bouviers, c'est quand même des amours. Hein. Putain, il a une gueule. Oh, c'est gros. Ils sont beaux, ces chiens-là. Ouais. C'est très beau, les bouviers bernois. Là, on va passer par là. J'espère que c'est ok. Oh bah oui, c'est très bien. Vous avez un talent. Ah, merci. On va faire des flashs parce qu'on se dit qu'on est élu partout de la ville, mais après on oublie et ça passe. Ouais, de ouf. Puis vous, après, vous avez ce que j'appelle des moments de lucidité. C'est que vous faites votre flash et puis d'un coup vous avez l'impression que vous savez plus écrire. Dans mode, attendez, qu'est-ce que... Que fais-je? Comment ça? C'est vous pouvez jamais vous lever? Bah moi ça genre, me dit rien là, j'envoie, ce que tu des, dis, j'envoie des SMS, j'écris mes articles, je m'en fous, j'écris naturellement parce que c'est ma langue naturelle. Mais d'un coup tu fais une page et tu te rends compte que bah, tout le monde va le lire. Et il y a un gros moment de bug dans le cerveau et vous êtes en mode je sais plus écrire, je sais plus quoi faire, je sais plus comment formuler mes propos. Ça m'est arrivé aussi là juste avant. Ah, c'est peut-être plus de professionnalité level là. Je sais pas. En vrai non, c'est parce que après moi mes plages je sais que je les prépare avant même de les faire. Genre je les écris sur un brouillon. Ah. C'est malheureux parce qu'on peut pas copier-coller, non, mais moi j'ai plus le temps de chercher mes mots.
La city au ralenti. Oh, c'est sympa ça. La city au ralenti. C'est un bon slogan. J'avoue. La city au ralenti, enfoiré. Non, peut-être pas. Non, level. Ralenti. Non. Non, enfin, ça fait bizarre, tout est fermé. Ah, mais j'ai envie de lui dire que je les aime. Ah, radio. Ah. Bonsoir. Je crois que c'était Molly. Je suis pas sûr. Bonsoir. Bonsoir. Molly. Et bonsoir. Et après, c'est pas Molly, je pleure. Comment allez-vous? Si. Ça va, ça fait bizarre, la ville est fermée ce soir, on a l'impression d'être dans une ville fantôme. C'est un peu bien, Halloween avant l'heure. Voilà, dinguerie. Ah, j'ai vu une petite dinguerie aussi, là. Ah, vous avez vu quoi? J'ai vu le... Oh là, je sais pas le nom pour la chose. Ah, décrivez là. C'est le truc là où les pompiers prennent de l'eau. Ah, la bouche incendie, la borne incendie. Oui, voilà. J'en ai vu une exploser sous mes yeux là, c'était space. Non, je pense qu'il doit avoir un effet pas pyrotechnique mais aquatechnique à Los Santos. Ouais. Ah oui, c'est de base, c'est parce que c'est pour faire des piscines et tout. Alors attendez, ici se trouve le brasier. Vous allez devant le. À votre avis, qu'est-ce que c'est le brasier du quartier sud, monsieur Watanabe? Putain, je me mets derrière un poteau. C'est ce truc, c'est ce qui est au centre là-bas, là, un espèce de place. Oui, ça c'est explicite, non, qu'on passe devant. Il y aura sûrement pas grand monde de réveillés de notre côté, vous avez des choses de prévues. Bah là, on est en ville parce qu'on est en train de préparer la chasse à l'œuf, on continue. Et du coup, tu veux venir avec nous? Oui. Mais je vais spoil. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Au pire, elle vient avec nous, mais on met un bandana sur ses yeux. Ouais, mais il n'y a pas un peu de protéger. Parce que au pire. Ah, c'est vrai ce qu'Iris vient de dire. Parce que moi, je pensais sinon, tu viens avec nous et on met un bandana sur les yeux, mais après, tu pourras plus nous protéger. On fait autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, j'ai la même idée, mais après. Ah, et comme quoi? Même idée à la con. Bah, on peut faire autre chose. Hein. Oui, on va quand même aller faire la photo au centre tant qu'on est là. Oui, tant qu'on est là. Pas sûr que le brasier soit la meilleure description pour ça. Bah, on sait pas quoi dire d'autre. Que nous, on trouvait que ça ressemblait à un brasero. Ça ressemble un peu, ouais. Après, comme il serait au milieu, techniquement, tu passes devant, tu vois des œufs, quoi. Vu qu'il y a la forêt à côté, il y a quand même pas mal de passages, quoi. Ah, putain, c'est trempé. Ok. Je suis à 9. Ok. Je suis sûr, je mets un flair là-dedans, ça ressemble à un brasero. De ouf. Regarde. Avec la fumée et tout, ça ferait trop un brasero. Mais je veux pas le faire. C'est illégal. Ah. Je me dis peut-être sous la jupe de métal. Non. Ah, c'est pas con. Bah, y a Charles qui avait une idée un peu similaire. Hein. C'est pas con, sous la jupe de métal. De robe. C'est vrai que Charlie avait parlé de robe. La jupe de métal du quartier sud. Mais qui est peut-être aussi un brasier. En fait, ça serait rigolo. Ça. La jupe. Entre parenthèses, en dessous, mais peut-être un brasier. Oui, c'est rigolo, j'aime bien. Bah oui, après, c'est le but aussi. Hein. Bon, ça y est, flouze. Oh mon dieu. Molly. Oui. Pourquoi il y a l'entité du G6 qui vient de tweeter et qui vient d'acheter une voiture? Quoi? Mais regarde sur Twitter, il y a une flouze. Ouais, j'ai eu la voiture. Hey, je sais pas ce que c'est. J'aime bien les couleurs mates en voiture. Je veux t'acheter une voiture. Oh, il a grandi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le champ de... Non, c'est pour conduire. On dirait le début d'une mauvaise blague. Oui. Mais oui, peut-être les pédales étoiles sont montées pour qu'il puisse mettre ses petites pattes dessus. Quoi? Incroyable. Vous voulez lui refaire du stand-up? Corpo, par contre, je suis un peu dégoûté. Ouais. Ah, il prend son indépendance. Oh, ça me va. Ça change de programme, qu'est-ce qu'on fait? Attends, je réfléchis du coup. Bah, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que. Cette question est une question large.
C'est pour ça, parce que moi j'ai des idées dans la tête, mais bon. Après, on peut continuer à réfléchir à des événements pour Los Santos, on en a fait très peu ces temps-ci. Tu sais que moi j'ai pensé un truc avec Groove en vrai, mais après on peut voir aussi avec le Weasel Ouais, éventuellement. mais parce que là, on est plus dans le cadre du Weasel Level. Parce que en vrai c'est pas vraiment un truc habituel de Groove, mais l'an dernier on avait fait Mardi Gras. Et je me disais peut-être pas refaire la même J'ai des forme. petits, je dis, non, plus jamais. Le Ah bah Mardi non, Gras. là. Bah oui, mais moi je voulais proposer sous une autre forme. On nous a Mais tant pis, dit. je le ferai quand je serai à la mairie. Elle était horrible. Ouais, parce qu'elle était horrible. Genre, le truc qui devait le faire, il a fait, ah ben non, faites-le, démerdez-vous. On s'est retrouvés à toute la ville qui disait, ah ben Oui, on fait c'est vrai. quoi? Une automobile. C'est pas nous qui l'avons là. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une entreprise en ville qui s'appelle le CFLS qui, normalement, aide et est censée dynamiser la ville avec des événements. Et donc, Level avait contacté le CFLS pour leur dire, bah, c'est bien, faites le Mardi Gras. Ils ont fait, oh, ok, tenez, on vous donne ça. Puis Brice. C'est ça. Et donc. En fait, ouais, on était déjà bien débordés, et du coup, on leur a proposé l'idée, et genre, ils étaient grave chauds. Et au final, ouais, le jour J, on s'est rendu compte que, ben, en fait, c'était à nous tout faire. Ah. Ah oui, problématique. Et Il puis, en n'a pas plus, marché, je il était t'avais en un mode peu laissé. véhicule. Bah, je t'avais laissé, non, mais t'étais un peu toute seule parce que moi, j'avais eu genre des grosses mutites pendant tout l'événement. Oui, c'est vrai, putain. Ah, l'enfer. Quel éther. Petit L'enfer. Eddy. Plus jamais. Plus jamais Mardi Gras. De toute façon, Mardi Gras, c'est dans longtemps, c'est en Non, février. c'est bientôt. Hein. Ah non, Non, moi mais je vais le quand? faire si je suis allé à la mairie, mais genre en mode. Genre, tu vois, genre je contacte le TQ, je leur dis on fait un concours de costumes sur votre scène et voilà un petit truc. Alors moi, j'aurais dit, Comme ça vous le fait une faites soirée dans la déguisée mairie. pour eux. Ouais, mais comme ça leur fait une soirée aussi au TQ, tu vois, il y a plein de monde. Et Un ouais, truc mais comme c'est plus ça. rigolo d'utiliser les locaux de la mairie. Bon, on va déjà l'utiliser pour faire une grosse soirée. C'est vrai. Votez pour le somme. C'est important. Attends, il y a tout qui est fermé, c'est perturbant. Après, sinon. Le truc, c'est que moi j'ai des idées, mais j'ai pas envie non plus d'ajouter trop de trucs. Mais parlez, parlez. Bah, moi en Je suis petit vrai, un crabe, truc genre Los parfait. Santos Express et tout ça, tu vois. C'est trop chiant, le valon, on a déjà parlé, c'est trop compliqué. Genre, comment vous faites? Mais pas en mode émission. Oui, mais même, comment vous faites? Bah, tu sélectionnes des gens, tu les fais partir d'un point A. Vous savez que les gens, surtout s'ils sont pas très prompts à faire À faire du quoi? du covoiturage. Ah, je peux Ah vous bah de toute dire, façon le but c'est d'éviter le plus possible qu'ils en fassent. Le but c'est que ça soit le plus possible à pied, sinon ce serait de la triche. Bah ouais, mais c'est pas grave, c'est juste marching simulateur, comme disent les jeunes. Ah mais ça. C'est une randonnée, quoi. Parce que genre pour aller de l'étape 1 à l'étape 2, il y aura une énigme. Et ensuite à l'étape 3, il y aura un petit jeu pour désigner le gagnant. Mais quel jeu? Bah je sais pas encore. Ouais. Après, c'est mon truc, c'est juste que je sens que ça va être une galère à faire. Et Je vais mettre de l'essence. j'ai pas la foi de faire ça ce soir. Mais c'est une bonne idée, Je sais pas du coup, bah proposer. hein! Je sais pas! Déjà, elle est où, Molly? Molly, Molly, t'es t'es où? où? Et où notre garde du corps? T'as abandonné! Trop longue, hein! Tu veux proposer des trucs aussi? Bah oui, bien entendu, monsieur Watanabe. Quand je dis nous, c'est nous tous, hein. Je me dis, mais vous faites pas souvent des émissions, non? Si, enfin, oui, non, c'est juste parce que les émissions, ça prend beaucoup de temps de montage. Ah, c'est sûr. Non, parce que je me disais, ce serait drôle de faire une émission genre question pour un champignon. Oui, il y avait un truc comme ça qui s'appelait question pour un Mars. En vrai, ça peut être sympa. Mais ça s'organise tranquille au Weasel. Mais là, on peut pas aller au Weasel. Mais oui, après, en vrai, ça. Franchement. En vrai, ça va être rigolo, ils adorent faire ça. Vous pensez quoi, le level? Ah bah oui, moi toutes ces idées-là, j'en ai plein en tête. Hein. Les trucs qui veulent gagner des millions, tout ça, des émissions de quiz un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dynamiser un petit peu? Pour dynamiser quoi, comment Genre, ça? ouais, non, pas cette. L'émission, tu veux dire? Ouais, j'allais dire un truc, mais c'est un peu patronal. C'est genre, tous les patrons de la ville, ils se battent. Peut-être stylé, mais ouais, c'est un dommage pour les non-patrons, quoi. C'est vrai, mais après on peut faire tous les versants employés. Ouais, tu sais qu'il y a quasiment un an, parce que je regardais les trucs qui sont passés il y a un an là pour la rubrique que je veux faire vite fait. Et il y a quasiment un an, sur le Weasel, il y a eu l'affiche qui a été publiée Combat du siècle, LSPD contre criminel. Tu fais une émission.
l'aise, petit criminel. On a des problèmes avec les criminels, ouais, mais c'est tranquille pour l'instant, hein. Je vais appeler Sandrine. Ça vous dit de participer à une émission? Non. En vrai, c'est... j'imagine tellement le délire bizarre où on fait genre qui veut gagner des champignons et il y a Duncan et version Crowley et ils s'en mettent de... Je prends la suite. C'est ridicule. Non, mais en vrai, ça, c'est une super bonne idée. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Par contre, ouais, c'est une bonne idée en version patronale pour commencer. Et puis en sachant qu'en plus, l'avantage de ce genre d'émission, c'est que, bien sûr, nous en tant que Weasel, on est un média, donc le but c'est mieux si c'est filmé et tout. Mais genre, si c'est trop la merde niveau montage et tout, les gens ils seront quand même amusés. Je vous avoue, level, que si jamais on le fait, j'adore faire du montage et je vais me péter pour faire le montage. Genre, oui, presque si besoin, je sais en faire aussi. C'est pour dire quand même de pas se mettre la pression par rapport au montage, quoi. Ah non, mais c'est plutôt ça, c'est important. Hein. En plus, si Monsieur Watanabe aussi vous aimez en faire, on sera à deux, si jamais, encore plus facile. Hein. C'est sûr. J'ai une GoPro assez stable aussi, je peux diffuser en direct. Oui, c'est bien ça aussi. Après, pour diffuser en direct, c'est toujours compliqué, ouais. Parce que la ville aime pas trop le direct. Mais après, on pourrait aussi le faire en public. Genre, si sous inscription, des gens peuvent venir regarder l'émission. Enfin, genre. Bah, oui. C'est sûr. Genre, non, le ferait où? C'est ce que j'allais dire. Parce qu'on n'a pas de. Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça? Parce que le truc du JT, tout c'est bien, mais ça fait JT. Ah, ouais. Après, pour... J'ai la flemme de demander à DSL de faire un truc, c'est long. Il n'y a pas de salle qu'on peut louer? Ah, vraiment? C'est moche, non. Ça fait chier. Après, on peut les faire dans le local Weasel, ça sera juste comme un truc JT, quoi. Enfin, ça sera un truc JT, mais pas spécialement un jeu, quoi. C'est tout. Ah oui, tu peux le faire dans la salle du talk show. Déjà, il y a combien de parties? D'habitude, il y en a 4 de participants. Au début, il y en a 4, je crois, au tout début. Non, plus, t'es pas... Non, je crois qu'il y en a 4. Attends, 4 ou 5. Mais non, il y a 4 ou 5 plus un champion. Enfin, non. Après, il s'élimine et il reste genre 2 personnes. Je crois qu'il en... à l'heure actuelle, il y a 4. Il en reste 2 après, un demi-finale. Et après, il en reste 1 contre le grand. C'est ça. Ici, que. Genre. Et level. Ouais. Est-ce que, genre, le grand gagnant, celui qui devra battre les patrons, c'est un des patrons du Weasel? Ça va être rigolo. Pourquoi pas? Et genre, tu prends ma place? Non, ouais. Ah non, non. C'est pas moi le patron. Hein, ouais. Non, mais je veux dire, le gagnant, il prend la place du patron. La dinguerie. À moins que monsieur Watanabe, vous voulez participer en tant que grand gagnant, étant donné que c'était votre idée? Pourquoi pas? En mode, regardez, il est sage, il est nouvelle recrue, il a connu la guerre en une semaine. C'est rigolo en vrai. Quel patron on peut prendre pour quelle personne ou quelle personne patron on peut prendre? Je sais pas si on fait patron, je dis patron pour l'idée, mais c'est juste comme ça quoi. Et ah, radio. Ah. Alors on nous oublie. On nous énerve. Tant papa. Une chose est sûre, c'est que ce sera pas Yon. Ouais, en tout cas déjà faut voir qui serait chaud, mais en soi moi je vois bien, j'ai plusieurs idées de patrons en tête qui pourraient très bien se prêter au jeu, hein, je pense. Genre tu proposes ça à des digues ou tout, ce serait grave chaud. Hein. Allez, où Molly, t'es où? On prend des blancs par Molly, je suis une tristesse. Tu veux venir avec nous ou tu es occupé à faire ton travail de gesticien? Je suis travaille pas ce soir, bah, on peut arrêter. Et c'est vrai. C'est vrai, mais bon, si t'arrêtes d'accord, on peut venir avec nous. Et c'est vrai. Effectivement, le. Si, toujours. Effectivement, si vous étiez toujours censé travailler pour protéger. Je bah non, vu qu'on travaille pas, le contrat il est mort pour ce soir. Écoutez, je suis en solidarité pour vous, donc je ne vous protège plus. Si tu veux me chercher au G6. On va chercher Molly. Oui, j'y vais. Pour la question, enfin, si okay, on prend des questions au hasard. On peut venir te chercher. Est-ce que genre on fait des questions sur la. Un peu au hasard de culture ou aussi okay, on peut faire des questions sur la culture de la ville ou des événements passés, ça peut être sympa. En vrai, moi je pense au maximum,
Si on peut avoir des trucs sur notre ville et tout, ça peut être grave stylé. Après, des moments, ça peut être un peu dur selon si les gens étaient là ou non. Du coup, on pourra peut-être un peu élargir. Mais des trucs grands. Mais c'est vrai que si on peut avoir plein de questions sur. Parce que techniquement, en plus, les gens qui participent à ce genre d'émission, ils sont préparés à l'avance. Oui. Genre, nous, on leur dira, révisez l'histoire de la ville, on va vous poser des questions. Genre, c'était qui le pro. L'ancien maire, ou sous quel mandat il y a eu ça Allez lire tout le Weasel News. Voilà. En vrai, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse que des questions sur la ville. Vous avez question passée, vous, monsieur Watanabe? C'est sûr que ça peut être un peu pénalisant, surtout si la personne vient d'arriver récemment en ville. Non, je me prends pas comme exemple, mais c'est aussi de la culture générale, aussi, ce serait pas mal. Mais pas de la culture générale trop... Oui, le bus, c'est sous accessible quand même. Oui, oui. Après, tu peux avoir des questions genre... c'est quoi le nom complet de l'or? Ah, c'est pas con. C'est vrai, c'est vrai. Autre question, on en met vrai, devant le dépôt du coup. En vrai, je vais commencer à prendre. Ah, j'arrive, c'est de l'autre côté. Ça marche. C'est quoi le nom complet de l'or? L'onagre restaurant. Ah ouais, il y a moyen de faire des nagas. Ce qui permet, je sais pas si vous êtes au courant, monsieur Watanabe, quand on fait des trucs un petit peu gros dossiers comme ça. Dans le disco, il y a des dossiers concrets pour qu'on puisse poser des trucs. Genre là, on a fait la chasse aux œufs. Et là, par exemple, je marque une question pour un champignon. Bon, c'est juste en attendant de trouver notre terre. Et bonsoir. C'est très bien. Bonsoir. Et voilà, donc là, j'ai créé le salon. Et comme ça, on peut commencer à écrire des trucs et tout. Ok. Nickel. Allez bien. Va très bien, et vous? Ouais, nickel. Tu crois? Oui, de ouf. Bah oui, avec l'idée qu'on vient d'avoir, que Monsieur Massalou nous a transmis, c'est une dinguerie. On va faire question pour un champignon. Émission. C'est bien. Ah, c'est incroyable. J'aime bien le titre que je lui ai donné. Où est-ce qu'on va? Ou alors j'ai une autre idée, parce que si c'est Monsieur Watanabe qui serait la personne à battre. Ouais. Et que Monsieur Watanabe, vous venez d'arriver en ville, on peut demander, et puis c'est comme ça, ça peut être une bonne entrée dans la matière pour les nouveaux arrivants, à des nouveaux arrivants. Parce que c'est vrai que les patrons ils sont occupés, alors que les nouveaux arrivants qui sont là en ville, qui ont peut-être du mal à sociabiliser et tout, mais là on propose une putain d'émission à participer. C'est bien. C'est vrai. C'est vrai. Un lot en plus à gagner, genre. Et le lot à gagner, tu envoies ton CV à ton meilleur patron. Ah, c'est vrai que ça peut être intéressant, surtout qu'en plus, bon, une émission genre patron et tout, c'est cool, mais il y a déjà eu des concepts un peu dans la boxe et tout. Donc c'est vrai qu'au moins ça change un peu. Vous en pensez, monsieur Watanabe? Non, moi je partant de ouf. C'est plus équitable. J'avoue. Je sais pas où je vais, je roule. Oui, de toute façon, roule les jeunesses. Roule les jeunesses. Tu sais, si tes patrons vont se réveiller, toi, Molly? Non, je pense pas. Tu es seul? Ouais. C'est triste. Mais non. C'est grave, viens, Weasel. Regarde, tu as de l'action dans ce corps de métier. Il y a de grandes probabilités que je me fasse virer si garde du corps de Groove. Quoi? Comment ça? Ma gueule, bah, conflit d'intérêts, enfin la concurrence, tout ça, tout ça. Mais si un gueule, ouais, c'est vraiment une entreprise de droit. Le garde du corps de Groove, c'est juste jouer les divas. Bah oui, parce que nous, après, c'est pareil. Après, tu me diras, c'est déjà une diva. Je suis un peu Mais quoi? Mais. Oh là. Mais je te jure, je pense à des tests nucléaires, un délire comme ça. C'était quoi comme explosion, ça? C'est bizarre parce que c'est la troisième qu'on entend. Ah ouais? Ouais, mais dans des endroits différents de la ville, donc je comprends pas trop. C'est pas chiant. Ah non, c'est pas trop. Puis ça peut venir d'où ici, y'a rien qui explose. Je sais pas, je. Bah, pas c'est tout, ça, y a, le quartier d'un manoir, y a leurs horloges quoi, qui sont assez bruyantes. Ah, y'a le quartier d'un manoir. Ouais, mais on était au concert quand on l'a entendu la première fois. Mais puis ça fait pas. C'est pas ce bruit là, leur horloge. C'est vrai, c'est plus bruyant. Oui. C'est pas le truc de... Je pense pas que ce soit une station essence, c'est plus pétant une station essence. Ah non, oui. C'est bizarre. C'est peut-être des gens qui font le feu d'artifice le jour du blocus. Ah peut-être. C'est les manifestations et tout. C'est tous les gens qui savent pas quoi faire. Après, en général, les feux d'artifice, c'est... C'est un bruit assez différent, quoi. Vous savez. Et à la fin, il y a le petit... Bizarre, cette histoire. En tout cas, dramatique, parce que nous c'est pareil, on a un peu en conflit d'intérêt avec Weasel quelque part.
C'est triste. On est totalement en conflit d'intérêt avec le Weasel. Ah ouais, si je pouvais racheter le Weasel, je le fais direct. Citer les flashs qu'on paye pas. Je pense qu'il le fera pas. Ça, c'est un avantage. Moi, j'espère. Parce que sinon, il faudra un super. Mais. Oui. Mais cette fois-ci, on en a un groupe. Comme ça, un groupe se prendra un procès et là, ça fera un street. Let's go. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Parce qu'en plus, en tant que groupe Venture Team, de toute façon, bon, tant que c'est Yonk et patron, on l'appellera pas, donc. Bon, ça va mieux maintenant, mais bon, ce n'est pas une personne que j'apprécie tout quand même, et je pense que c'est pas une personne qui m'apprécie aussi beaucoup. Bah. Je dirais pas que quand le Weasel s'est fait tirer dessus, il a mis 10 minutes à répondre en radio et qu'on savait pas où était nous. Mais je crois qu'il était pas en radio aussi. Il était pas. Non, il était sur la radio Elispeedy, il était pas sur la radio. Mais quand on l'appelait, il répondait pas. Ah, il était pas déjà en appel avec Adam. Ça se voit. Non, mais de toute façon, c'est pas grave, c'est le passé. Il faut regarder de l'avant. Terrible. Oh. C'est ma manière de dramatiser. Oui. Il faut. Ah oui, c'est important. Eh oui. Oh, c'est joli ce point de vue. C'est vrai que c'est pas mal. Oh, mais il y a le sifflu. Ah non. Oh. C'est le Vanout Ball. Putain, je savais pas qu'il y avait un. Non, mais genre, toutes les fois où il y a eu les concessions, on aurait pu monter là pour prendre une super photo. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Incroyable. Même de tout en haut du Vanout Ball, t'as aussi une sacrée vue. Comment je. C'est effectivement, on travaille pas. Je peux pas faire une flash. Ouais. Vite, moi je travaille sur le Twitter. On va faire plus tard. Solidarité. On peut faire des flashs solidarité citoyenne. Ça c'est cool ça. Ah bah j'en fais une. Bah let's go. À ce moment pour combler le manque de flash. Solidarité citoyenne. Ah mais Flouz il parle. Mais oui, il a grandi. Il voit une voiture. Ah mais il y a eu des mots et tout qui ont été prononcés. Ah bah du moins il écrit. Ah oui, hola Twitter. Je vends ma clique. Elle a un numéro de téléphone. Hola dinguerie. Bah faut l'appeler. Bah je conduis, moi je peux pas. 90-45. Oula, qu'est-ce que... Oula. Bah, mais pourquoi ici? Mais pourquoi? Bah non, mais... Mais... Ouais. Mais... Qu'est-ce que quoi? Mais pourquoi les gens ils font des CP ici maintenant? Il y a une CP? Je sais pas. Mais il y avait une police, il y avait la police. Ouais, mais il y avait pas de voiture devant. Je sais pas, peut-être qu'ils sont perdus. Ouais, peut-être. Je comprends pas. Après tu me dirais, c'est hors du commun hein. Ah oui, pourquoi? Après, je me dis, vu les rues étroites, ça doit être un paradis pour les criminels qui savent conduire ici. Pas pour moi. Le nombre de fois où j'ai fait un accident là-haut. Alors que c'est les bourgeois, ils ont pas peur de te racheter une voiture. Ah, oui. Il y a tellement des tremplins que j'ai envie d'essayer. Où ça? Ah bah dans les villas. Oh, hier on en a trouvé un. De ouf. Mais on va pas le faire parce que c'est dangereux. Bah oui! On peut pas le faire parce que c'est dangereux. Surtout que c'était genre, c'est un tremplin qui amène sur un des ponts qui traverse la ville. Ouais, hyper fréquenté. C'est même, y a pas une autoroute même oui. À côté? Oui. Ouais. Je crois le voir. Il y en a plusieurs comme ça, oui. Comme ça, c'est que tu le connais plus, Marie. J'ai très envie, mais à chaque fois je me dis non, faut pas. Ah ben, il y en a qui repèrent les échelles, d'autres qui repèrent les tremplins. En vrai, si Melo Santos existait toujours, où tu fais une sortie tremplin de l'extrême en vélo... En vélo? Oui. Bah du non. Mais pourquoi pas du... Bah les suspensions d'une vélo, c'est pire que d'une moto. Bah écoute, quitte à être dans l'extrême, autant faire du sport. T'auras même extrêmement mal au cul. Oh la scène. Tu ne fais plus qu'un avec ton vélo. Rien qu'à droite, il y en a un petit qui est très tentant. Ah bon, où ça? Faut remonter. Y'a un. Putain, la prochaine à gauche. La prochaine à gauche. Ah oui, c'est pas en construction en plus par ici, non? Si. Ah oui. Oh, bah, tout au bout. Un truc de chantier. Oh! Et tu arrives sur le parking du dessous et c'est très tentant, mais c'est très dangereux. On dirait totalement que tu vas en chute libre. Ouais. Bah oui, parce que. Oui. Voilà. C'est... voilà. Parce qu'on voit pas le. C'est quoi, y'a quoi derrière? Ah non, c'est. J'ai atterri dans le parking.
Bah, oui, t'atterris fait... derrière en fait. Oh, après cette avec route. Un véhicule rapide, ouais. En vélo, non, t'atterris dans, la... dans le talus, quoi. Mais c'est impossible. C'est vraiment possible. T'atterris là-bas. Ça me semble mathématiquement impossible. Ah, en vrai, avec un véhicule. Genre avec un véhicule vraiment très rapide. Il faut. Oui, il faut. Bah, faut bien viser, quoi. Alors avec faut, une ouais, voiture faut très bien viser fois, parce que ah oui, c'est vrai que c'est pas très, grand. Très compliqué. Mais avec une moto. Mais même une moto, moi je pense que tu finis juste dans le ravin, non? Non. Il y a des chances hein. Oui, t'as fait ça en rêve? Non, c'est vrai. Faut que je tente. Mais tu l'as déjà fait? Non. Oui, c'est bien pour ça que je pense qu'on finit dans le ravin. Non, moi je suis optimiste. C'est vrai que c'est important de faire. Ah c'est beau ça. Il y aurait pas, enfin c'est quelqu'un qui l'a mis, c'était bien pour essayer, du coup il est... Ah de base je pense que c'est pour les travaux. Ouais je pense. Ah vrai, il a essayé justement. C'était le seul qui travaillait ici. Depuis il s'est abandonné. Peut-être qu'il est toujours dans le ravin là. J'essaierai un jour. Si tu fais t'envoies tes coordonnées qu'on vienne chercher dans le ravin. Ok. En vrai il y a plein de trucs comme ça, faudrait les noter en ville. Bah écoute, note celui-là au cas où. Oui, allez. Parce que je suis sûr il y a moyen de faire des dingueries. Je prends la capture d'écran du GPS. Ah je peux faire un recensement, des fois je m'ennuie. Mais moi j'ai envie de faire un recensement. Et bah go. Mais vous les trouvez, est-ce que c'est caché hein? Bah on se fait un petit dossier en cours extrême et puis... Oui, ouais, c'est totalement que j'ai fait. Dossier des trucs dangereux. Et tu mets en haut capé. Ah, parce qu'il y a des rampes aussi dans leur quartier. C'est eux la rampe. Je sais même pas pourquoi ils sont cette truc là-dessus. Espèce de rampe. C'est super nul quoi. Ah, si on était dans un monde gentil et quand tout était fini, je pouvais faire un son sur eux, je les insulterais de rampe dedans. On va chercher des rampes. Ouvrez grand les yeux, regardez autour de vous. Non, mais il y en a partout. À chaque fois, on les voit, il y en a en bas de. Il y en a une autre pas le... dans le coin où tu passes au-dessus d'une villa. C'est cool. Oh. Tellement bien. Il y en a plein dans la zone Indus, ça c'est clair. Je crois que la rue juste en dessous de nous, à gauche, là derrière, elle est... c'est une rue un peu de pareil en chantier et tout. Donc il doit y avoir aussi des petites rampes. Je crois qu'il y en a une à côté du lac des riches là. C'est vrai. Oui, j'ai bien juste le nom. Le lac des riches. Ça fait penser au lac des cygnes, mais. J'allais dire justement c'est le lac des cygnes, mais sauf que c'est des riches à la place. Musical là-bas. Le lac des riches. Oh, mais tentez pas, on va le faire avec le con après. Déjà que c'est compliqué de trouver des comédiens. Je suis sur quelque chose. Je pense. Ah, c'est chiant, mais j'ai jamais roulé ici. Je suis déjà roulé, mais genre parce que je me suis perdu, je me suis trompé de route. Oh, les villes là, quand même. C'est clair. Je suis sûr qu'il y a Véril et Lensk par là. Quelque part là, les bourgeois. Moi j'aurais peur d'habiter là, genre celle-là. Oh là. À droite, je vois quelque chose. Oui. En face. Oui, en face. Je vois quelque chose. Ah, là-bas au bout du chemin. Ça m'a l'air très risqué. Ah, c'est comme les jeux vidéo, c'est genre on avance au bout du chemin, on a notre quête. Oui, c'est ça. Putain, il y a un rond-point même dans le quartier des riches. Oh putain, oui, il risque tout. Mais t'atterris où là? Mais t'atterris dans la piscine. Oh, dans la piscine. Oui. Oh, c'est vrai, c'est incroyable! Mais tu cannes, Bah, faut être pro quoi! Je suis prêt en vrai, j'ai vraiment une idée! Ouais! Parce que, à part faire des activités extrêmes pour tester, on peut pas faire de spectacle! Mais, imaginez, on fait une émission groupe extrême où on essaye les sons et à chaque fois qu'il y a des sons, on met des explosions, on fait une émission! Oh la dinguerie! De ceci à ne pas reproduire, réalisé par des gens qui ne sont pas du tout pros. Si vous voulez, elle est pro. C'est vrai. Je l'ai engagé en tant que groupe extrême, elle est effectivement pro. Oui, c'est vrai. À partir du moment où on a signé que vous êtes pro, t'es devenu. Ah oui, j'ai signé la décharge comme quoi, oui. Ouais, putain, on va parler de ça. Bon, c'est vraiment qu'on finit dans la piscine. Mais il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen, mais ça doit être toujours calculé. Regardez ces piscines bourgeois. Genre, on est sur une île, ils ont des piscines, c'est honteux. Ah oui, hein. Elle est belle quand même, ces piscines. Par contre, je sais pas d'où tu pars. Pour prendre l'élan nécessaire. Et je pense que tu dois casser le truc d'abord. Ouais, c'est chaud, hein. Mais ça se calcule, je pense. En vrai, avec les mathématiques. Je trouve que celui-là, il est moins dangereux que lui là-haut parce que là, tu sais que tu vas juste finir dans une pente. Alors que là, tu sais pas où tu vas terminer. Ah non. Finis après la pente et soit tu te tapes la clôture,
Est-ce que tu penses que tu peux genre sauter tu sautes en moto, tu lâches ta moto, tu peux faire un parachute? Ah, c'est pas assez haut là. Non, je pense que c'est pas assez haut non, en c'est vrai. Pas assez haut. Dommage. Oui. Bon, on demande ce qui existe. Mais ça, en vrai, ça se tente. Faudra vraiment qu'on fasse des tenues de protection très fortes. Oui. Sinon, on va se faire démonter. J'ai retenu les coordonnées. Ah, let's go. Ah, moi, je les prends tout à chaque fois. Ok, ok, bon, ça marche. Alors, je. C'est pour éviter qu'on le fasse en même temps, quoi. Oui, bah oui. Okay, vraiment, bon. On fait notre chasse aux œufs, mais pour les trucs dangereux, quoi. T'en es où votre chasse aux œufs? Bah, on a fini tout. Faut qu'on envoie la DSL pour faut qu'ils nous mettent les œufs. Juste, on était en train de prendre des photos de tous les lieux pour être sûr à 100% que la DLS se trouve. Alors. Ah, dans une chantier comme ça, t'as forcément un truc, non? Je regarde un peu. Ils sont roulés, jeunesse, hein. Ils sont en train de faire une piscine aussi, d'ailleurs. Il est joli ce manoir avec le couleur là. Ouais, ça fait style, je sais pas, marocain. Il est beau. Un peu. Ouais. En vrai, là, on arrive sur du plat, donc on va pas trouver de trucs. Faut réfléchir si logique. On va par là. C'est soit dans la zone Indus parce qu'il y a plein de trous, soit dans les collines parce que forcément c'est pentu. Mais j'ai peut-être aussi une idée par là, mais je suis pas sûr non plus. Mais on va aller voir. Oh, moi je commence à fatiguer. Vous voulez aller vous coucher? Ah, je pense que je vais faire ça, oui. Vous voulez qu'on vous ramène? C'est où l'endroit du G6? Je vais mettre un point. Ok. Je sais même pas où il est l'appartement. Mais vous l'avez acheté l'appartement du G6? Ouais. Incroyable. Bonjour. Ouais. Bon, c'est parti. Désolé, hein, mais. Il est quoi, désolé? Pas au courant. Ah oui? Que ça leur appartenait en fait. C'est l'ancien appartement qu'ils avaient prêté à Lens quand il était procureur. Mais Lens, il habitait dans combien de maisons? Beaucoup trop. Non, oh mais là par là. Contre, l'arnaque, hein, il était procureur, ça a un appartement tout miteux. Ah oui? Et il est plus procureur, et le procureur vit dans la villa. Dans une villa, ouais. Il est si miteux que ça? Ah, c'est. Oh. C'est on un studio, voit qu'il quoi. Y a eu du passage, quoi. Ah. J'espère que vous dormez bien, monsieur Watanabe. Il y a un lit, je peux me plaindre. Ah! En tout cas, vous inquiétez pas, ça nous dérange pas. L'idée là de l'émission, ça va. Je vais continuer à faire des flashs pendant toute la soirée. Yes, ça marche. Mais ouais, faudra. L'idée de l'émission, j'aime beaucoup. Mais ça me botterait vraiment de présenter quelque chose, que ce soit une émission ou même un podcast. Je vais faire tout à l'heure. J'avais déjà donné l'idée, mais. Je peux vous dire que. Faut pas nous le dire deux fois. Ah oui, là c'est tout l'idée, elle est en tête. Oh. On ne comprendra jamais. Même les rampes sont solidaires. La preuve, regarde, on les fait même pas les rampes parce qu'on est solidaires. Oui. Pas parce que c'est dangereux. Ceci restera entre nous et les rampes. Ah, vous êtes dans la rue juste à côté de. C'est la rue de Van. Non, c'est pas ici. C'est un peu plus bas, alors j'ai dû me tromper. Ah, vous êtes tous ressemblent à vous. À tous ressemblent et. Ouais, ça doit être là. Ouais, là, je pense. Ici, dans cette rue-là? Non plus. Ah, mais. J'ai fumé quoi. Parce que vous êtes fatigué, c'est normal. Ouais. Je crois qu'il faudra aller. Oh là, j'ai un doute maintenant. Il ressemble à quoi le bâtiment d'extérieur? Exactement comme ça. Exactement comme ça, mais bleu. Peut-être à droite. Y'a pas de bêtises. Ah bah forcément. Bon, mais bien trouvé. Bon, ça force. Comment ça, 31? Ah oui, déjà. Voilà, c'est là. Voilà non plus. Parce que ça me c'est à partir de G6, mais je rigole, c'est une blague. J'ai pas compris, c'est quoi forcément quoi? Ce a dit, il est à droite. Ah. Ah, il est là. Ah oui. À droite. Ah, moi je dirais plus que c'est turquoise. Ah oui, Là, celui-là, là. Oui. Oui, il est joli en vrai. En extérieur, ils sont pas miteux. Ouais, ça va, il est sympa, j'aime bien moi. Ok, bah merci beaucoup. Merci, Watanabe, dormez bien. Eh bah, dormez bien, enfin, bonne nuit. Enfin, je sais pas, faites vos activités. Et bonne soirée. À demain. Et bonne soirée, à demain. Nickel. Je sais. Cousse. C'est moi qui demandais mon âge. Oui, il est quelle heure?
peinard. Putain, je suis fatigué, sorry, c'est compliqué pour moi ces derniers jours là. Du coup, je vous lâche là. F4. Ah, je suis désolé, mais vraiment, je suis claqué. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Prenez soin de vous. Vous êtes incroyable. Des bisous. Ciao, ciao.